Bonjour les enfants, voici la première partie de l'évaluation du maths du premier contrôle CE2. Dans cette partie de ce cours, nous allons voir l'écriture des nombres. La suite du cours sera dans une prochaine vidéo. Alors, suivez avec moi. Et si vous pouvez aussi écrire, ce serait bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez bien comment on écrit ces premiers chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, pourquoi on parle de chiffres et de nombres? Le nombre est constitué de chiffres. Et les chiffres, ce sont les premiers de 1 à 9. Ceux-là sont des chiffres. Quand on commence à avoir deux chiffres, comme le 10, où il y a 1 et 0, ça s'appelle les nombres. Alors, écrivez d'abord de 1 à 10 jusqu'à ce que vous sachiez les écrire sans les voir. Et après, vous allez passer de 11 à 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pareil. Ici, vous allez commencer à écrire les nombres de 11 à 20. Au début, vous allez regarder comment on écrit et après, vous allez cacher et vous écrivez seulement sans regarder. D'accord? Vous faites ligne par ligne. Une fois que vous avez fini cette ligne-là, vous passez à la deuxième ligne. Ensuite, vous passez à la troisième. La troisième, on va commencer par 20. Ici, j'ai fini par 20. Ici, je commence par 20, 21, 21. Le 20, on sait comment il s'écrit parce qu'on l'a écrit ici. Après, le 1, il est là. Donc, 21, 22. Après, c'est 23, 24. Et on refait la première ligne jusqu'à 9, 29, jusqu'à 29. Quand on arrive à 29, on ne fait pas 20, 10, non, on fait 30. Et après, parce qu'il y a une exception, après quand on arrive à 60, oui, là on fait 70. Mais là on fait 29 et après le 29, on passe au 30. Regardez comment on écrit le 30. Vous l'écrivez une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que vous sachiez l'écrire. Après, on fait la même chose avec 20. On fait 30. 31, 31, 32, 33, 30, 4, jusqu'à 9. Après, quand on arrive à 9, on revient, on passe à 40. Après 39, on passe à 40. 40, c'est 4 et 0. 40. Après, c'est 41, 41. Et on refait toute la ligne. 42, 43, 44, jusqu'à 9. 49. Une fois arrivé à 49, on passe à 50. 50, c'est 5 et 0. Donc pareil, on fait ligne par ligne. Une fois qu'on a écrit plusieurs fois cette ligne et qu'on sait comment ça s'écrit, on cache ce qu'on a écrit et on reprend et on écrit sans regarder. D'accord? Comme ça, on va apprendre très vite.
Maintenant, on fait la ligne des 50 jusqu'à 59 en commençant par 51. Comme ça, on écrit 50-1. Après 50, 2. Après 50-3. 50-4 jusqu'à 9. Quand on arrive à 59, on arrive à 60. 60, c'est 6, 0. 60. Pareil, on refait toute la ligne. 61, 60-1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Après, quand on arrive à 69, attention, ça change. On continue, on fait 10, 70. Elle est là, 70. 60, 10. 70 s'écrit 7, 10. Et on entend 60, 10. C'est 60 plus 10. Les Français écrivent 60, 10. Pour les Suisses, ils disent 70. Ils disent 7, 70. 70. Les Suisses disent 70. En arabe, nous, on dit Sebouna. Seba, Sebouna. Les Suisses disent 70. 70. Ok? 70. Les Français, non. Les Français disent soit, il reste à 60 et ils rajoutent un 10. Ils disent 70. Et ils continuent comme ça. 71. C'est-à-dire que eux, ils ne comptent plus, les Français ne comptent plus avec la première ligne, ils comptent avec la deuxième ligne. Ils disent 71, comme j'ai fait ici, 71, ça s'écrit 7 et 1, et ça se lit 71. Ils sont sur la deuxième ligne, ils ne sont plus sur la première ligne. Après, ils disent 60. 12, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Et après, quand il arrive à 79, ils font pas 60-20, non, ils font 80, ils passent à 80. Je vais vous dire comment ils prononcent les Suisses. Ici, les 70, ils disent 70, 71. Ils utilisent la première ligne. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. En arabe, nous, on dit Wahid wa sab'una, itnani wa sab'una. On est aussi sur la première ligne. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Les Français, non. Ils disent pas 80, ils disent pas. Ils disent 80. 80, quand on entend 80, elle s'écrit comme ça, 8 et 0. Mais nous, on entend 4 et 20. On entend comme ça, 4, 20. Et pour eux, ça veut dire 4, 20. 4, 4 fois 20, c'est-à-dire 4, 20. Un premier 20, un deuxième 20, un troisième 20 et un quatrième 20. Ils disent comme ça, ils disent comme si tu as 4, 20. Et tu dois rajouter 20, la première vingtaine, plus 2, plus 3, ça fait ce chiffre-là, 8 et 0, qu'ils appellent 80. En Suisse, non. En Suisse, ils disent 80. Ils prononcent le 8. 8. 80. En arabe, on prononce aussi le 8. On dit tamanuna. C'est-à-dire 8. On dit tamanuna. Les Suisses disent 8 tantes, 8 tantes, c'est plus facile.
Les Français, non, c'est plus compliqué. Ils disent 80, 80, comme ça. Et ils continuent à dire 81. Et ils sont sur la première ligne, ici. 81, c'est-à-dire 4, 20 et 1. Ces 4-là, c'est 80 ici, plus 1. Les Suisses, non. Les Suisses disent 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Alors, on revient aux Français. Les Français disent 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Et après, ils passent au 10. Ils prononcent le 10 ici. 90, 90, qui s'écrit 9 et 0. 90. Quand tu entends le 80, tu dois attendre pour savoir si c'est juste un 80 ou un 90. Tu dois toujours attendre. Parce que quand tu entends 80, tu crois que c'est un, c'est celui-là, mais au fait, quand tu entends le 10, tu dis, ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et il s'écrit comme ça, 80, 10. C'est-à-dire ces 4-là, ces 80 ici, plus un 10. Plus un 10. Les Suisses, comment ils prononcent ça? Ils prononcent 90. 9, ils le disent 90. 90. En arabe, on dit Tis'ouna. On prononce le 9 comme les Suisses, on dit Tis'ouna. 9, on le prononce et on sait tout de suite que c'est un 9. En Suisse, quand on dit 90, on sait tout de suite, on sait tout, dès le premier mot, on sait que c'est un 9 et 0. 90. En français, non, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour les Français, ils disent 90. Et il les compte dans la première, dans la deuxième ligne. 91, 80. Et tu gardes les 80. Et là, il commence par le 10. Après, il passe 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Après le 99, il passe au 100. Donc, nous, on a la complexité. Ce qui est compliqué, c'est juste les 70 ici, les 80 et les 90. C'est trois lignes ici qu'il faut apprendre. C'est un peu compliqué. C'est tout. Le reste, c'est très facile. Quand on passe au 100, c'est comme si on reprend tout ça depuis le début. Tu mets juste 100. Et tu commences 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Tu passes ici 111, 112, 113, 114. Après, tu passes ici 121, 122, 123. Après, tu passes ici 131, 130, 131, 132. Après, on passe à la suivante 140. 100, ça s'écrit comme ça. 100, c'est un 100 comme ça. Ok, et on écrit le 101 comme ça. On écrit tout ce qui est ici. On le reprend quand on a un 100. Maintenant, quand on a un 200, on écrit comme ça. 200, c'est un 2 avec 2 zéros. Et on commence à compter depuis le début. 201, 202, 203 et jusqu'à la fin. Jusqu'ici. Pareil pour 300, 301, 302, et on continue. Pareil pour 400, 500, 600, 700, 800. Ici, on est à 888. Ça s'écrit comme ça, 8, 8, 8. 800, ça c'est les 800. Ça c'est le 80, comme ici, 80, tu vois. Ensuite, c'est en Suisse, ils disent 80. Et 8. Ici, les Français le prononceraient 888. Les Suisses le prononceraient 888. Ok.
après, on passe au 890. C'est la partie des 800. Maintenant, c'est 899. S'écrit comme ça, 8, 9, 9. En ouais, français, le prononce 899. Les Suisses le prononcent 899. Et il continue 890. Il le prononce comme ça, 899. Okay. Après, 999. C'est écrit comme ça, 999. C'est un 999. Ça, c'est en français. Les Suisses le prononceraient 999. On arrête ici pour aujourd'hui. Je vous prie de reprendre bien cette leçon et de travailler ligne par ligne. Quand tu as fini la première, tu passes à la deuxième. Quand tu as fini la deuxième et que tu l'as bien appris, tu as bien appris comment on écrit, tu passes à la troisième. Quand tu as fini la troisième et ainsi de suite jusqu'à la fin. On arrête à 999. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo de la suite du contrôle de maths du niveau CE2. À bientôt les enfants.